Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Université populaire d'histoire. Nous sommes ravis de vous présenter l'avant-première de Hitler-Staline, le choc des tyrans, de Mickaël Prazan. Et je suis ravi de l'accueillir. Je vais lui demander de venir me rejoindre, ainsi que Jean Lopez, historien, spécialiste évidemment de la Deuxième Guerre mondiale et de l'histoire germano-soviétique. Je vais commencer par notre invité réalisateur que vous connaissez très bien à Pessac, puisque c'est un habitué du Festival du film d'histoire, mais aussi de l'Université populaire d'histoire, puisqu'il y est déjà venu. Donc Mickaël Prazan est à la fois écrivain et surtout ici réalisateur de documentaires d'histoire. Il s'intéresse en particulier, vous le savez bien, à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, du côté en particulier de la Shoah, du côté de l'URSS depuis plusieurs films. Et Mickaël Prazan, c'est important de le rappeler, a été primé à plusieurs reprises à Pessac, notamment pour son fabuleux film La passeuse des Aubrais, qui a été primé par deux prix, mais également pour Benjamin Ferencz, le combattant de la paix. Et puis, je vous rappelle qu'il avait présenté à Pessac Einsatzgruppen, les combattants, c'était pour Benjamin Ferencz. Donc, les commandos de la mort. Et puis, il a présenté au dernier festival du film d'histoire L'Armée rouge et Goulag, un ou deux ans auparavant. Et il vient de publier en tant qu'écrivain Souvenirs du rivage des morts aux éditions Rivage, justement, en 2021. C'est ça. Alors, nous avons évidemment, comme souvent à l'Université populaire d'histoire, nous accueillons à la fois un réalisateur de documentaires d'histoire et un historien, Jean Lopez donc, qui est directeur et fondateur de la revue Guerre d'Histoire, Guerre et Histoire, autant pour moi, et qui vient de publier deux ouvrages remarquables, en particulier Barbarossa 1941, La guerre absolue, donc publié en 2019, et puis plus récemment, Les maréchaux de Staline aux éditions Perrin, donc publié en 2021 avec l'achat Hotmek-Zuri. Ah, merci, c'est mieux, voilà, c'est pas facile à dire. Alors, vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, alors j'en cite quelques-uns. Stalingrad, la bataille au bord du gouffre, Infographie de la Seconde Guerre mondiale, qui est un best-seller, Les 100 derniers jours d'Hitler, Les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale, et enfin, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, sachant que je n'ai évidemment pas tout dit. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, peut-être, Mickaël, un petit mot de présentation sur le film. Merci François, merci au Festival de Pessac et à l'Université populaire et merci à vous d'être venus si nombreux voir ce film en avant-première qui est un gros film coûteux tout en archives et pour les nécessités d'un prime time des archives colorisées, même si dans le corps du film il y a aussi beaucoup d'archives couleurs. Parce que à l'époque, la couleur existait déjà, même si elle est réservée en général, enfin d'ailleurs systématiquement en fait, aux images privées, c'est-à-dire amateurs. Mais il y en a beaucoup dans le film. C'est l'histoire d'une relation presque sentimentale dans un premier temps entre ces deux dictateurs. Il y a une relation de fascination mutuelle, voire mais tout de même un peu décalée, puisque les appels du pied de Staline durant toute la période qui précède le pacte germano-soviétique restent sans appel du côté de Hitler. Et puis, c'est dans la dernière phase de leur relation, vous savez, qui va tourner tout de même au vinaigre, que Hitler va ouvrir les yeux sur son alter ego, son meilleur ennemi, et commencer lui aussi à l'admirer à partir du moment où il va commencer à perdre la guerre. Donc, c'est vraiment l'histoire de leur relation, une relation qui a existé évidemment, qui a eu une forme d'intimité, même si ces deux dictateurs, ces deux monstres, ne se sont pour autant jamais rencontrés. Voilà, donc c'est l'histoire grand spectacle qui vous sera proposé ce soir. Et je suis ravi d'être aux côtés d'un grand historien de la période, Jean Lopez, à qui je cède la parole immédiatement. Merci. Donc, oui, c'est eux, on y est, c'est très bien, merci. Donc je remercie également le Festival de Pessac, le cinéma Jean Eustache, et vous tous d'être présents ce soir. Juste, je rebondis sur Hitler et Staline ne se sont jamais vus. J'ai découvert par hasard, il n'y a pas très longtemps, que en fait, ils se sont trouvés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, sans le savoir,
alors que l'un était un révolutionnaire professionnel bolchevique sous un faux nom, et l'autre un demi-clochard dans les rues de Vienne. Donc ça s'est passé dans un quartier de Vienne en 1912. Ils étaient à quelques rues d'écart. Donc c'est le seul moment dans l'histoire où ils ont été physiquement proches l'un de l'autre. Sinon, c'est vrai, ils ne se sont jamais rencontrés. Bien, merci. Je vous souhaite une bonne séance. Et donc, nous nous retrouvons à l'issue de la projection pour un échange avec le réalisateur et l'historien. Merci de votre attention. Alors, je vais commencer par une question, bien sûr, au réalisateur, Michael Prazan. En fait, des livres et des films consacrés à Hitler et Staline, évidemment, il y en a un nombre impressionnant. En travaillant sur ce film, est-ce que vous avez finalement découvert à la fois des documents, des images, des citations, des archives, et aussi appréhender finalement cette histoire d'une manière pas forcément différente, mais un peu renouvelée, notamment du fait des dernières publications qui ont pu être faites sur le sujet. En fait, c'est une question qui a précédé la réalisation du film et qui est très personnelle parce que lorsque j'étais lycéen, on nous apprenait que Staline avait tout anticipé, qu'il y avait eu une stratégie derrière le pacte germano-soviétique qui consistait à se réarmer et à préparer la guerre inévitable contre Hitler. Et moi, c'est une thèse dont j'avais l'intuition qu'elle avait été quand même un peu façonnée par un discours, une doxa d'après-guerre, et que c'était sans doute pas la réalité, avec une intuition à l'époque qui était de dire qu'au fond, comment est-il possible que Staline ait anticipé et prévu cette guerre en liquidant quasiment intégralement son armée très peu de temps, 2 ans avant l'invasion de l'Allemagne. Et cette question restait pour moi insoluble vu la thèse qui était défendue à cette époque, du moins jusque dans les années 80-90. Par ailleurs, j'avais découvert au cours de mes lectures que, au fond, Hitler lui devait son élection puisqu'il avait bloqué tout accord avec les sociaux-démocrates et de ce point de vue-là, il était impossible à la gauche de remporter ses élections dans ce contexte-là. Donc je me suis dit, tout ça colle pas bien en fait. Et donc on a préparé d'abord par des lectures nombreuses ce film pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et voir si cette thèse à laquelle j'avais été éduqué tenait le choc des archives, des éléments en notre possession et de ceux qu'avaient mis au jour un certain nombre d'historiens. Et je me suis convaincu que non, en réalité, la stratégie de Staline était totalement l'inverse de celle qu'on nous avait exposée quand j'étais plus jeune et qu'il avait totalement cru au pacte germano-soviétique, pensant s'être tiré ainsi de la menace que représentait l'Allemagne nazie et aussi pouvoir faire main basse en partenariat avec Hitler sur les Pays-Baltes et une partie de la Pologne. Et que donc, lorsque surgit Barbarossa, lui qui n'a voulu entendre aucun des innombrables sons de cloche qui ont précédé cette invasion, eh bien, il a été totalement pris de court. Et on voit bien à quel point son armée est prise immédiatement dans un marasme dont il ne pensait pas se sortir jusqu'à la victoire in extremis et inespérée de la bataille de Moscou. C'est là, en fait, l'un des grands tournants de la guerre avant ceux qu'on connaît tous, c'est-à-dire Stalingrad, Koursk, etc. Donc c'est vraiment, comment dire, pour essayer de faire entendre cette thèse qui n'est pas nouvelle, qu'on retrouve évidemment dans un nombre aujourd'hui d'ouvrages considérables, mais qui n'est pas affirmée comme l'axe principal que le film affirme du début à la fin.
Et puis, j'ai découvert, évidemment, cette relation personnelle. Ces phrases de dialogue qui ponctuent le film sont authentiques. Ce que dit Staline d'Hitler et ce que dit Hitler de Staline montrent bien l'évolution de leur relation. Et ça, c'était passionnant. Après, évidemment, j'ai découvert beaucoup de choses, à commencer par les archives. J'ai jamais manipulé, je crois, un nombre aussi impressionnant d'archives. On était enfouis dans une masse considérable qui rendait, évidemment, la structure et le montage de ce film extrêmement compliqué. Alors, justement, sur la question de leur relation, alors, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, ils ne se sont jamais rencontrés. Néanmoins, un des fils conducteurs du film, comme vous l'avez dit, c'est l'image qu'ils ont chacun l'un de l'autre. Et on est assez étonné quand même de certaines citations, hein, qui, je ne conteste pas du tout l'authenticité de ces citations, mais finalement, assez tôt, il y a un mélange d'ignorance, de méconnaissance, mais aussi une forme d'admiration ou d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, même si alors, c'est ignorance, évidemment cité dans le film, mais deux exemples, hein, Hitler regrette finalement qu'il n'ait pas une Sibérie dans un coin de l'Allemagne pour expédier tous les indésirables qu'il considère comme tels, et inversement, Staline est admiratif de la nuit de cristal, ou en voyant comment Hitler a réussi à liquider une partie, en fait. Surtout de la nuit des longs couteaux. Oui, et la nuit des longs couteaux, pardon, la nuit des longs couteaux, je fais une confusion, pardon. Alors, c'est clair que quand on lit un certain nombre de citations dites par Staline dans ces années-là, les tentatives innombrables en envoyant des gens comme Radek, Kandelaki, durant toute l'année 33-34, essayer de faire du pied à Hitler et ça ne fonctionne jamais, il est clair qu'il y a une forme d'admiration pour la manière dont Hitler a conquis le pouvoir de la part de Staline. Mais cette admiration, à ce moment-là, en tout cas, n'est absolument pas partagée. Hitler n'a que mépris pour Staline et chacun, au fond, est prisonnier de son logiciel, ce qui peut laisser entendre que il y a une méconnaissance de part et d'autre. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une lecture rétrospective sur le moment. Chacun a sa manière de voir les choses, sa manière d'envisager les alliances et la déclaration de l'ennemi qu'ils ont en face d'eux. Alors évidemment, pour l'Allemagne, ça ne fait aucun doute, c'est l'URSS, mais en réalité, c'est toute l'Europe. Donc il doit faire feu de tout bois, attaquer aussi bien à l'ouest qu'à l'est, ce qu'il va faire, en essayant de hiérarchiser évidemment les menaces et commencer d'abord, comme on le sait, par l'ouest, par la France, par la Grande-Bretagne, etc. Et Staline ne voit pas, au fond, certes, il y a le Comintern, certes, il y a une propagande qui est mise en route et qui est extrêmement offensive contre Hitler, mais au fond, stratégiquement, pourquoi pas cette alliance avec Hitler, puisque il est fasciste, certes, mais on a pu s'entendre avec Mussolini. Et puis, dans ce fascisme-là, il y a aussi un fond de socialisme. Et pour lui, c'est gagnant-gagnant. L'idée étant que, voilà, soit on peut obtenir et gagner quelque chose de cette alliance. Et puis, en même temps, eh bien, si ça ne fonctionne pas, si Hitler chute, eh bien, ce sont les communistes qui récupéreront les marrons du feu et qui pourront ainsi, finalement, mettre la main sur l'Allemagne. Donc voilà, au fond, la stratégie qui est celle de Staline. Après, il y a, oui, une forme d'admiration personnelle. Il est épaté par les premiers pas de ce dictateur. Et cette admiration va s'inverser au fil du conflit. Plus Hitler va s'affaisser dans le conflit et plus va naître en lui une forme d'admiration à l'égard de Staline, alors qu'à ce moment-là, Staline n'a plus qu'une obsession, c'est l'écraser. Alors, Jean Lopez, vous êtes l'auteur de Avec l'achat Hotk-Mezouri, d'un ouvrage considérable sur Barbarossa. Quand je dis considérable, l'édition de poche, c'est 1800 pages. Mais je vous rassure, ça se lit comme un roman, et c'est sincère, c'est vraiment assez impressionnant. C'est 6 ans de travail, vous m'avez expliqué tout cela tout à l'heure. Et alors,
Hitler et Staline, finalement, ce qu'on voit très bien dans le film, ce sont deux chefs de guerre. Ce ne sont pas seulement deux chefs d'État, ce sont deux chefs de guerre. Et ce qui surprend quand on lit votre livre, c'est que vous ouvrez votre livre, finalement, avec le constat que l'un et l'autre font d'énormes erreurs. Vous parlez de catastrophes allemandes et de désastres soviétiques. Et le premier point commun, peut-être, c'est certaines de leurs incompétences ou de leurs bévues ou de leur déni d'une certaine réalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que c'est vraiment un point important pour comprendre l'histoire qui nous a été contée. Ce sont effectivement deux chefs de guerre à part entière, puisqu'ils sont à la fois chefs d'État, dirigeants du parti unique, et en même temps commandant-chef de l'armée. Donc il n'existe pas d'homme qui ait plus de pouvoir sur cette terre que ces deux-là. Et tous les deux vont poser une empreinte absolument massive et majeure sur le conflit, même dans les démocraties libérales, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où pourtant on a affaire à deux géants, Churchill d'un côté et Roosevelt de l'autre, on n'a pas une empreinte aussi énorme. C'est normal, ça va avec un système dit totalitaire. On a donc vraiment deux hommes qui ont tous les moyens de gérer le conflit sous toutes ses facettes. Alors, l'erreur, le problème de Staline, c'est qu'en effet, si vous permettez, je reviens sur le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Bien sûr. Parce que c'est quand même le moment fort de l'histoire qu'a voulu raconter Michael Prazan. Il y a un calcul chez les deux hommes. Chez Staline, il n'y a pas une volonté à tout prix de traiter avec les Allemands. Je vous rappelle qu'il a commencé déjà à chercher un accord avec les Franco-Britanniques qui se sont précipités à un pas de sénateur à Moscou pour essayer d'entraîner l'Union soviétique dans une sorte de coalition qui permettrait de faire barrage aux appétits d'Hitler en Europe. Hitler, après avoir avalé l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie, a en effet mis des prétentions sur un certain nombre de territoires polonais. Français et anglais ne veulent pas la guerre, ils veulent absolument conserver la paix, c'est le but principal de leur démarche, et ils pensent que Staline pourrait les aider à mettre sur pied un front commun contre Hitler. Donc ils envoient des émissaires à Moscou, qui arrivent au milieu du mois de juillet 1939, et qui vont commencer à discuter avec les soviétiques. Mais c'est vrai que du côté des anglo-saxons et des français, les choses ont été assez mal préparées, puisque les personnes qui sont envoyées ne sont pas des émissaires de premier rang. Il n'y a pas de ministre parmi eux. Ce sont des gens plénipotentiaires dont, en réalité, les pouvoirs ne sont pas si important que ça. Donc Staline est assez mécontent, lui a envoyé des gens de deuxième rang pour une négociation qui avance très très lentement, et surtout une négociation qui très vite bute sur un problème majeur, c'est que les Polonais ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec les Soviétiques. Ils savent très bien que s'ils permettent à l'armée rouge de rentrer sur leur territoire, ils n'arriveront jamais à les chasser. Donc les Français et les Britanniques ne peuvent pas aller très loin dans la négociation puisqu'il y a un blocage avec les Polonais. De son côté, Hitler a perçu, et là on peut parler d'une forme de génie diplomatique, il a perçu l'ouverture. Il a compris que ça devait bloquer avec les Franco-Britanniques, mais que lui, il pouvait passer par-dessus tout ça. Et ce qu'il va proposer à Staline est beaucoup plus intéressant que ce que proposent les Franco-Britanniques. Car au fond, que proposent les Franco-Britanniques ? C'est de faire barrage à Hitler et éventuellement d'entrer en guerre contre lui. Or, ce que Hitler propose à Staline, c'est de ne pas entrer en guerre. C'est au contraire de rester dans une attitude amicale vis-à-vis du Reich, mais d'empêcher la Pologne de s'appuyer sur elle et de pouvoir ainsi prendre la Pologne entre deux feux. Donc Staline a la première chose qu'il désire avec ce pacte germano-soviétique, c'est de ne pas entrer dans la guerre. Toutes les réunions du Parti communiste, à tous les niveaux, au niveau du comité central, au niveau des toutes les archives du Politburo, montrent que c'est une véritable obsession chez lui, c'est de ne pas entrer trop tôt dans cette guerre. Il y a un discours très célèbre qu'il prononce le 10 mars 1939 où il dit « L'Union soviétique ne veut pas tirer les marrons du feu pour les autres ». Non pas qu'il fasse une différence de fond entre les démocraties
occidentale et le Troisième Reich. Pour lui, tout ça, ce sont des impérialistes. Il n'y a pas de préférence entre les deux. Mais Hitler lui permet de ne pas rester en guerre et surtout d'empocher des dividendes immédiats, ce que les Occidentaux ne lui permettent pas. C'est-à-dire que Hitler ne voit pas de problème à ce que Staline mette la main sur les trois pays baltes, sur la moitié de la Pologne et même sur certaines régions de la Finlande. On comprend dans ces conditions que Staline ne puisse résister à une offre aussi alléchante. Et en effet, au prix d'un véritable séisme dans le mouvement communiste international, il se fait signer par son ministre des Affaires étrangères Molotov en sa présence au Kremlin le 23 août 1939, le fameux pacte de neutralité qui se transforme en pacte d'amitié germano-soviétique. Qui est le plus gagnant dans cette histoire ? Les deux sont gagnants. L'Union soviétique avance sa frontière de 300 km vers l'ouest. Elle se pense mieux protégée. Et c'est à peu près tout pour les soviétiques, parce qu'ils se mettent dans une situation de quasi-belligérance aux côtés de l'Allemagne. Donc il va y avoir un jeu extrêmement subtil de la part de Staline d'appuyer Hitler, mais sans aller trop loin pour ne pas avoir la guerre avec les franco-britanniques. Le grand gagnant, c'est évidemment Hitler, parce que ça lui permet de liquider en trois semaines la Pologne, qui est prise à revers par les soviétiques, et de toute façon était déjà battue à ce moment-là, avant le 17 septembre. Ça lui permet surtout, ça c'est fondamental, ça lui permet de tourner l'arme majeure des Français et des Britanniques, qui est le blocus maritime. Ce fameux blocus qui avait montré sa puissance pendant la Première Guerre mondiale et qui empêche l'Allemagne de commercer avec le reste du monde et par exemple d'importer les matériaux stratégiques qui sont absolument nécessaires à la guerre ainsi que le pétrole dont elle est dépourvue. Donc là, Staline donne à Hitler les moyens de mener une guerre longue puisqu'il va lui fournir le pétrole, certains matériaux stratégiques et surtout le blé qui manque à l'Allemagne et lui permettre de liquider finalement la France. Ça, c'est le cadeau empoisonné qu'a fait le stalinisme à la France, c'est de permettre à la Wehrmacht d'agresser notre pays le 10 mai 1940 et de remporter une victoire fulgurante. Même s'il est évident que ce n'est pas le pétrole soviétique qui a fait que l'armée française s'est effondrée aussi vite, mais bien ses propres faiblesses internes. Toujours est-il que le marché passé entre les deux hommes semble un marché assez finalement gagnant-gagnant et que tous deux ont intérêt à faire durer un certain temps. Ceci dit, j'ai trouvé un certain nombre de documents qui montrent qu'aucun des deux hommes n'est dupe de l'autre. C'est-à-dire que Hitler, lui, n'a jamais eu l'intention de pérenniser cette alliance. Autour de lui, on s'en indigne d'ailleurs, comment une alliance avec le bolchevisme, etc. Mais de son côté, Staline ne se fait pas d'illusions. Il sait très bien que Hitler l'attaquera à un moment ou à un autre. Sauf qu'il fait une erreur de calcul colossale, Staline. Il ne pense pas possible qu'Hitler l'attaque alors qu'Hitler n'a pas liquidé le problème de la Grande-Bretagne. Autrement dit, il a retiré cette analyse de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne ne peut pas vouloir d'une guerre sur deux fronts. Par conséquent, elle ne m'attaquera pas en 1941. Il est décidé à jouer l'alliance le tout pour le tout, et ce n'est vraiment que dans les dernières 48 heures qu'il commence sérieusement à douter qu'il ait fait la bonne analyse. Voilà. Alors, on revient sur cette question des chefs de guerre, sur le fait que dans les deux camps, il y a quand même une succession, une addition d'erreurs d'analyse. Alors, les erreurs d'analyse sont effectivement... Alors, celle de Staline, elle est évidente. Hein, il pense que Hitler a encore intérêt à conserver, à honorer le traité germano-soviétique pendant au moins encore quelques mois. C'est une erreur majeure. Ce qui fait qu'il reste totalement sourd aux avertissements qui lui viennent. Nombreux avertissements. J'en ai recensé des centaines. Mais plus on lui donne des avertissements, en plus, si ça vient de Churchill, c'est interprété de travers, puisque Staline pense immédiatement que si Churchill lui dit que Hitler va l'attaquer, c'est uniquement parce que Churchill veut que l'Union soviétique soit de son côté. Donc il traite même Churchill d'agent provocateur. Il refuse, il est totalement sourd aux avertissements. Il n'y a pas beaucoup qui doutent dans l'entourage, parce que tout le monde est persuadé que Staline est déjà un véritable génie. Alors, du côté d'Hitler, l'erreur, c'est tout simplement d'avoir imaginé qu'il pouvait venir à bout de l'Union soviétique et de l'armée rouge en quelques mois,
c'est quand même l'opération Barbarossa est quand même un phénomène un peu extraordinaire où, alors qu'il sait que l'Union soviétique a réarmé massivement depuis 1932, hein, l'Union soviétique est couverte d'armement, ils ont 5 fois plus de chars, 4 fois plus ou 5 fois plus d'avions que les Allemands, le pays est véritablement quadrillé par des commissariats militaires, les Soviétiques sont capables de lever des 10 ou 15 ou 20 millions d'hommes, ils sont capables de mettre les femmes dans les usines. Tout est déjà prêt en prévision d'une guerre. Finalement, le bolchevisme n'a rien fait d'autre depuis 1918 que de préparer le pays à la guerre qu'il sait inévitable. Et face à ça, Hitler s'intoxique. Il voit la façon dont les Russes ont eu beaucoup de mal à mettre à genoux la petite Finlande pendant l'hiver 39-40. Et il en tire de très mauvaises conclusions. Il en tire la conclusion que l'armée rouge est inepte. Il grossit aussi, de même que l'ensemble du monde d'ailleurs, parce que Churchill et Roosevelt ne voient pas plus clair, il grossit l'effet des purges. Et là, si vous permettez, je vais vous contredire, Michael, c'est que aujourd'hui, les historiens reviennent sur ces fameuses purges de 1937-1938. Quand on fait les comptes, on s'aperçoit que Staline a finalement provoqué, a fait sortir de l'armée rouge, a renvoyé de l'armée rouge, environ 40 000 officiers. C'est beaucoup. 20 000 d'entre eux sont arrêtés. 10 000 seront réintégrés dans l'armée rouge. Et au total, 9 000 sont exécutés. Vous direz, mais 9 000, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant, mais il y a 120 000 officiers dans l'armée rouge à l'époque. Donc ça représente que 5 à 6 %. Alors c'est vrai que ces officiers sont souvent choisis dans le haut de la hiérarchie, comme le maréchal Mikhail Tukhachevski, mais également le maréchal Blücher. Mais il n'empêche que les universités de l'armée rouge sont pleines à craquer d'officiers qui sont en pleine formation. Et il y a déjà là-dedans toute cette génération de 1940, les 982, où l'on retrouvera tous les maréchaux de l'Union soviétique qui vont être capables de battre Hitler. Donc finalement, pour moi, cette purge, elle a envoyé un faux signal au reste du monde. Tout le monde a compris qu'il n'y avait plus l'armée rouge. En réalité, l'armée rouge, elle continue à exister. Et elle continue à avoir des chefs tout à fait compétents, comme par exemple Joukov ou Rokossovski. Rokossovski qui a été une des victimes de ces purges, puisqu'il a été arrêté, battu comme plâtre, jeté dans un cul de bas de fosse pendant pratiquement 18 mois, à pourrir dans un cachot épouvantable où ils étaient 100 dans une cellule qui faisait 12 mètres carrés, et qui du jour au lendemain est libéré, sans un mot d'explication, sans un mot d'excuse, et qui retrouve 15 jours après son commandement. Des hommes qui ont vécu cette situation, j'en ai recensé plusieurs centaines. Je pense que le côté négatif de ces purges, c'est que ça a instillé dans l'armée rouge, c'est pas tant les pertes, mais le fait que ça a instillé une peur collective, et notamment la peur de l'erreur. Ce qui fait qu'un des problèmes de cette armée soviétique, de son commandement, ce sera la difficulté à prendre des initiatives. On cherchera un peu systématiquement à ouvrir le parapluie. Et ce n'est que progressivement au cours de la guerre que les généraux soviétiques vont reprendre confiance en eux, passer les grandes défaites du début, d'autant plus que Staline va aussi accepter cette idée qu'on ne fusille pas un général qui perd, on lui donne la chance d'en tirer une expérience et de faire ses preuves un peu plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Après l'exécution de Pavlov en la mi-juillet 1941, il n'y aura plus de grand chef qui sera fusillé par Staline. Donc cette espèce de crise très violente qui le saisit au début de la guerre, elle va pas durer en réalité. Alors, dans votre livre, vous soulignez également des erreurs, j'ai envie de dire, stratégiques, pas seulement sur l'analyse, le fait de sous-estimer l'adversaire soviétique, mais aussi le fait notamment de ne pas s'appuyer plus sur le train. Hein, Il y a des erreurs techniques. Non, mais je dis ça, c'est important parce que dans l'histoire qu'on retient... Logistique. Alors que, comme pour Staline qui est dans le déni par rapport aux informations, aux alertes qu'il reçoit par rapport
à la préparation de Barbarossa par Hitler. Hitler, de son côté, a des conseillers qui l'alertent sur la nécessité de recourir au train. Et finalement, il n'en tient pas compte, lui non plus. Alors, ce n'est pas lui qui n'en tient pas compte, parce que c'est généraux. Il faut quand même. C'est toujours un peu le problème quand on parle de ces deux régimes, c'est qu'on a tendance à l'hyper-personnalisation. On a l'impression que tout passe par Hitler, que tout se passe par Staline. Non, en réalité, ces gens-là ont autour d'eux des centaines et des centaines de conseillers dans tous les domaines. Il y a des tas de services qui sont plus ou moins autonomes et qui prennent des décisions qui vont s'avérer parfois bonnes, parfois mauvaises. Dans le cas de l'opération Barbarossa, ce qui est frappant, c'est que, certes, Hitler répond cette croyance que ce sera assez facile comme campagne, parce qu'il pense que, structurellement, le bolchevisme n'est pas un régime solide. Je signale au passage que Churchill et Roosevelt sont persuadés que l'armée rouge ne tiendra pas plus de 6 semaines, et qu'à Noël, les Allemands seront à Moscou. Donc c'est pas seulement l'erreur de Hitler, c'est l'erreur du monde entier. C'est d'avoir véritablement méjugé cette Union soviétique. Et par ailleurs, dans l'entourage d'Hitler, les généraux, les maréchaux allemands, s'ils ne sont pas convaincus du bien fondé stratégique de la campagne contre l'Union soviétique, sont tous persuadés, je n'ai relevé que 2 voix dissonantes, sont tous persuadés que ce sera quand même facile, que la victoire va s'obtenir à peu près dans les temps que le Führer a donné, c'est-à-dire environ en 3-4 mois. Donc il y a une erreur collective d'une caste de militaires professionnels qui se pensaient comme les meilleurs du monde. Alors vous évoquez le problème de la logistique, mais la logistique, c'est un cas tout à fait flagrant. Lorsque le général Wagner, qui est un des responsables de cet aspect logistique de la campagne, prépare donc l'opération Barbarossa, il va prendre modèle sur la campagne de France. Il va prendre modèle sur la campagne de France. Quand on connaît le réseau routier français, même en 1940, qui est un des meilleurs du monde, une campagne qui s'est déroulée sous un ciel d'azur, qui est allée très vite, et où finalement la dépense de munitions et de carburant n'a pas été très élevée, on comprend que les présupposés de l'analyse allemande de la logistique contre l'URSS soient faux. Et que fait Wagner? Il se dit, en France, finalement, on s'est débrouillé avec les camions. On a réussi, depuis les gares conquises en Belgique, on a réussi à alimenter nos troupes avec des camions. En Union soviétique, on va doubler le nombre de camions, voire même le tripler, et on va du coup pouvoir ravitailler nos troupes jusqu'à 400, il estime 400 km la limite maximum. À partir de là, il pense qu'il faudra quand même compter sur le train. Mais enfin, tout de même, c'est assez effarant parce que ça l'amène à prendre des initiatives très curieuses. Par exemple, c'est de rafler tous les camions qu'il peut trouver en Europe, et notamment les camions français. La France s'est retrouvée à pied. Il y a des dizaines de milliers de véhicules français qui sont retrouvés sur le front russe. Et alors, on a pu calculer que, du coup, les Allemands ont des véhicules qui sont de 2000 modèles différents. Vous imaginez que c'est un casse-tête insoluble. On ne peut pas réparer autant de véhicules. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des pièces détachées. Le résultat, c'est que très vite dans cette campagne, la logistique allemande va se mettre à genoux. Elle va s'affaiblir. La quantité de pétrole, la quantité de munitions qui va arriver au front va toujours rester à peu près correcte, mais c'est tout le reste qui va être sacrifié. Et c'est notamment l'origine de cette fameuse histoire des uniformes d'hiver. Ça, on l'a souvent dit, et les Allemands ont perdu parce qu'ils gelaient devant Moscou. Bon, déjà, on fera tout de même remarquer que qu'il fasse froid en hiver à Moscou, c'est pas un scoop. Quand on prépare une campagne et qu'on rentre en Union soviétique, ça, bon, surtout quand tous les officiers allemands sont en train de lire les mémoires des officiers de la Grande Armée de Napoléon, on sait qu'il fait froid. Bon, la moindre des choses, c'est de se préparer. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, ils ont fait fabriquer des uniformes. Pas pour la totalité de l'armée. Il y a 140 divisions, mais ils ont fait quand même fabriquer pour la Luftwaffe, les SS, et pour 58 divisions. Tout ça est fabriqué et tout ça est entreposé dans de gigantesques entrepôts à Varsovie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les trains. Parce que les trains, en priorité, qu'est-ce qu'ils transportent ? Le pétrole et les munitions. Donc le résultat, c'est que ces uniformes n'ont pas pu arriver, à part pour la Luftwaffe et pour la SS qui possède ses contingents de trains et qui, elle, a pu se faire livrer. Le problème, c'est que les Allemands, évidemment, vont se retrouver devant Moscou avec l'obligation terrible pour se protéger du froid
soit de détrousser les cadavres de soldats soviétiques, soit encore bien pire, de déshabiller littéralement la population civile, ce qui causera la mort de dizaines et de dizaines de milliers de civils soviétiques. Donc des erreurs, mais des erreurs, on passerait la soirée à les lister des deux côtés, tant du point de vue militaire que du point de vue logistique. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment cette erreur de base d'Hitler, de penser que le régime soviétique est un régime qui ne possède pas une assise profonde, qui ne sera pas défendu par sa population, et dans lequel il suffit de donner un violent coup d'épaule pendant 2 ou 3 mois pour qu'il s'effondre littéralement sans résistance. Alors, on a commencé tout à l'heure par rappeler que c'était deux régimes totalitaires avec deux chefs d'État au pouvoir exorbitant. Dans le film, à un moment, je cite de mémoire, vous dites, Mikhaïl Prazan, que finalement, le peuple russe ou le peuple soviétique se range comme un seul homme derrière Staline. Et dans quelle mesure, finalement, ce culte de la personnalité, ce régime totalitaire a pu jouer dans le moral, dans la mobilisation des deux côtés. Hein, je crois que... Alors, on voit des images qui sont très souvent des images de propagande, mais il y a quand même une forme de ferveur, notamment qu'on voit sur les images d'Hitler, hein, à certains moments, hein, de la population réelle. Est-ce que, dans quelle mesure, cette dimension-là d'adhésion à un chef a pu jouer ? L'adhésion, elle ne va pas de soi du tout, et d'ailleurs, à mon avis, elle est en grande partie inexistante. Tout le monde, à ce moment-là, dans la population soviétique, a un oncle, un membre de la famille qui a été envoyé au goulag. Il y a quand même une terreur qui s'exerce, et les soviétiques ne sont pas dupes de la tyrannie de Staline. Seulement, voilà, il y a un patriotisme russe qui, malgré tout, existe. Et dans cette situation où les soviétiques, les Russes, pensent que le pays peut disparaître, pensent que Hitler peut gagner cette invasion, eh bien, ils n'ont guère le choix. Et voilà un homme que, pour certains, ils admirent, que d'autres détestent et que la plus grande majorité des gens craint. Qui tout à coup leur dit « Voilà, vous êtes la puissance, la seule force capable de vous opposer à cet impérialisme et vous êtes les seuls capables de sauver le pays. » Donc les soviétiques vont évidemment lutter pour leur survie. Et à ce moment-là, dans cette situation terrible que connaît l'Union soviétique, il y a besoin d'un chef. Et ce chef, ils ne l'ont peut-être pas choisi, mais au fond, ils vont le suivre et le suivre jusqu'au bout. Après, sur ce qu'a dit Jean Lopez, oui, bien sûr, j'en suis conscient. La ressource en hommes et la capacité de l'armée soviétique, disons, à se redynamiser et à être évidemment ce qu'elle est, hein, en tout cas ce qu'elle était jusqu'à très peu de temps avant le déclenchement de la guerre, c'est-à-dire l'une, sinon la meilleure armée du monde, elle est quand même extrêmement désorganisée à ce moment-là. Et c'est vrai que la table rase, ou ce qu'on pense être une table rase, qu'ont été les purges des généraux et la grande terreur d'une manière générale, va faire monter des gens qui jusqu'alors n'étaient pas connus et qui vont véritablement devenir les héros de cette guerre, que ce soit Joukov, mais que ce soit aussi Koniev, enfin, toutes ces figures qu'on connaît et qui sont célébrées en libérateurs jusqu'à la bataille de Berlin et puis ensuite, évidemment, aux célébrations de la victoire. Mais il y a une désorganisation qui règne à tous les niveaux. Il y a vraiment des problèmes logistiques, il y a des problèmes de formation énormes, il y a des problèmes quand même matériels. Je pense, il faut quand même le dire, que sans le Lend-Lease, sans les milliers d'avions fournis par les Américains, le Canada, qui est oublié dans le commentaire, mais qui a aussi participé à cette aide-là, il est quand même difficile d'imaginer que la contre-offensive, que Staline aurait pu gagner la guerre. D'autant que, effectivement, dans le cours de la guerre, ça a été quand même un très piètre meneur d'hommes. Ses généraux, durant les premières semaines, lui mentent.
parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils subissent des échecs et des pertes terribles dans leur rang. Ils ne cessent de faire des contre-offensives en position de faiblesse, que ne fait pas Hitler d'ailleurs. Et donc à chaque fois, c'est une Bérézina, et c'est le cas de le dire, puisque les choses commencent lorsque les Allemands passent la Bérézina. Donc oui, Joukov raconte dans ses mémoires que dans les premières semaines de la guerre, on est autorisé à tirer 2 munitions par jour, alors qu'ils sont sous le feu de l'ennemi. Donc il y a quand même un vrai problème, il y a une impréparation totale, il y a un armement qui est extrêmement défectueux, et une désorganisation et une peur panique à l'égard du tyran que représente Staline. Alors, par rapport à cette question donc de l'adhésion au chef, dans quelle mesure on peut, c'est évidemment très difficile hein, comme question, mais quand même. C'est une question qui a été étudiée. Hein, oui, bien sûr. Mais c'est une question sur laquelle aujourd'hui on commence à cerner un peu mieux le problème. Il y a d'ailleurs, on le voit dans le film, incontestablement. Quand les Allemands rentrent dans les pays baltes et en Ukraine occidentale, ils sont accueillis partout avec des fleurs, du pain, du sel. C'est une bienvenue traditionnelle dans ces régions-là. Ça, personne ne peut leur mettre en cause. C'est logique, ce sont les dernières régions que Staline a annexées à son empire en 1939 et en 1940. Et c'est celle où le NKVD, la police politique de Beria, s'est montré la plus dure, déportant jusqu'à environ 10% de la population. Donc, incontestablement, l'arrivée des Allemands a été saluée comme une libération par les Ukrainiens de l'Ouest, anciennement rattachés à la Pologne, et par les Baltes. Mais ce qui est plus surprenant, et qu'on ne dit pas assez, c'est que même lorsqu'ils entrent en Russie, en juillet, les Allemands sont bien accueillis. Ils sont bien accueillis, alors beaucoup plus dans les campagnes que dans les villes. Dans les villes, j'ai certains témoignages de généraux allemands qui montrent que souvent on leur tourne le dos. C'est normal, les villes sont la base, c'est là où est la classe ouvrière, qui est dans une certaine mesure la base sociale du stalinisme, c'est là où les cellules du parti bolchevique sont les plus puissantes. C'est donc là qu'on va accueillir le plus mal les Allemands. Mais dans les campagnes, en revanche, là aussi, au début, on ne fait pas mauvaise mine aux Allemands. Et les choses vont progressivement se durcir et se détériorer. Au point que l'on peut dire qu'en janvier 1942, donc quelques mois plus tard, la population soviétique des territoires occupés, c'est-à-dire environ 80 millions de personnes, est passée de l'idée qu'on finalement les Allemands ce seraient peut-être des libérateurs, à l'idée que sont de très curieux libérateurs, à l'idée qu'on va attendre avant de se prononcer pour un camp ou pour l'autre, et finalement on basculera de l'autre côté. Pourquoi ce changement d'attitude ? Ben, c'est tout simplement que Hitler, lui, il a délibérément refusé de jouer des cartes politiques. Il avait des cartes politiques à jouer en Union soviétique. Il pouvait très bien transformer les pays baltes et l'Ukraine en pays vassaux, en leur laissant leur autonomie et en faisant des vassaux de l'Allemagne. Partout, il y a des mouvements de libération qui se sont soulevés dès que l'armée rouge a tourné les talons et qui ont proclamé des États indépendants. C'était vrai en Ukraine, c'était vrai en Lituanie et en Estonie. Évidemment, il n'en a rien fait. Hitler, il a fermé cette porte politique puisqu'il vient pour asservir et pour se donner un empire colonial. Alors que Rosenberg était pour. Et donc, il va y avoir un conflit, d'ailleurs. Rosenberg est plus mesuré. Mais enfin, au début, il n'a pas trop voix au chapitre. C'est que progressivement, devant la résistance, que les Allemands vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur absolument gigantesque. Enfin, ce qui n'empêchera pas que jusqu'au bout, leur occupation restera une des plus abominables que l'histoire ait jamais enregistrée. Donc on voit bien que ces Allemands ne jouent pas cette carte politique, et puis il y a quand même quelque chose qui va glacer d'effroi les populations occupées par l'Allemagne, ce sont les massacres. Bien sûr. On voit bien dans le film.
Parce qu'on a beau même avoir affaire à des régions où l'antisémitisme est une tradition assez ancienne, il n'empêche que voir des communautés entières, hommes, femmes, enfants, vieillards, exécutés au vu et au su de tout le monde, ça a jeté un froid. Il n'empêche que aussi, deuxième point, voir les colonnes de prisonniers soviétiques, parce qu'on n'en a pas parlé, on le voit dans les images, mais ce n'est pas très évoqué. Mais ça, il faut le rappeler, c'est que les Allemands ont pris 3 700 000 prisonniers la première année. Un nombre incalculable. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est phénoménal. 2 300 000 vont mourir. Il y a une scène terrible, d'ailleurs, on voit quand ils jettent du pain, on voit les soldats se battre comme des animaux. Ces hommes vont tous mourir de faim. Que j'ai monté dans mon film sur la mer Rouge. Oui, c'est vraiment mourir de faim, se donner au cannibalisme, tout ce que vous voulez, ils vont être... Et 2 300 000 d'entre eux vont mourir. Et quand les Allemands les amènent vers les camps de transit, vers les fameux doulags, ils les abattent par centaines, voire par centaines de milliers le long des routes, encore une fois, et au vu et au su de toute la population. Ça, c'est le deuxième point qui va horrifier, parce que ces soldats que les paysans russes voient passer, ce sont leurs frères, leurs maris, leurs fils. Oui, bien sûr. Donc là, ils vont comprendre effectivement qu'ils ont affaire à une barbarie épouvantable. Un troisième élément qui a énormément choqué et qui en est aujourd'hui qu'on commence à peine à véritablement travailler, c'est que partout, les Allemands liquident massivement les handicapés mentaux et les handicapés physiques. Au moins 200 000 dans des conditions... Je renonce même à vous évoquer, ça vous empêcherait de dormir. Et là encore, ils le font devant tout le monde. Donc si vous voulez, les soviétiques vont très vite comprendre que, et là je cite un philosophe soviétique que nous avons interviewé avec mon collègue Lachotte Mezouri en 2013, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Grigory Pomerantz, et qui nous avait dit ce mot, qui était lui-même un engagé volontaire de 41, qui nous avait dit... entre deux monstres, les Russes ont choisi celui qui parlait leur langue. Je vous laisse méditer. Mais encore une fois, il ne faut pas se laisser prendre au discours que les Soviétiques ont complaisamment, et les Russes encore en partie aujourd'hui, ont complaisamment répandu, à savoir qu'il y a eu un héroïsme de masse le premier jour que toute la population s'est dressée contre l'envahisseur. C'est faux. Une grande partie de la population s'est ralliée avant de changer de camp. Et si on fait les comptes au bout, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de peuple qui finalement ait donné plus de collaborateurs que le peuple soviétique. Il n'y a pas de peuple qui ait donné plus d'officiers et de soldats dans la SS que les peuples occupés par les soviétiques. Donc il faut vraiment ne pas prendre pour argent comptant la propagande stalinienne. Qui a fait vraiment de très, très gros dégâts. C'est une chose qu'il faut aujourd'hui revoir. Oui. C'est à tel point vrai que Joukov, enfin, en tout cas, l'une des raisons de son éviction après la guerre, c'était son amitié avec Vlassov. Vlassov qui était vraiment un héros de l'armée rouge, un héros de la bataille de Moscou et qui rallie les Allemands, qui tombe aux mains des Allemands et qui se rallie à eux, qui va former une armée au sein de la Wehrmacht qui va être d'ailleurs chargée des plus basses besognes, hein, l'extermination des Juifs, mais aussi les gardiens de camp. Et d'ailleurs, la question d'Auschwitz, pour rebondir ce que vient de dire Jean Lopez, la question des camps d'extermination, c'est aussi, comment dire, une conséquence de cette première phase de la campagne d'extermination menée juste après le déclenchement de Barbarossa, de ces massacres de masse qui se font au vu et au su de tout le monde. Et les Allemands constatent les dégâts que ça fait dans leur propre rang, c'est-à-dire parmi les hommes qui sont chargés de ces massacres et qui perdent au fond la raison au fur et à mesure qu'ils les perpètrent, mais aussi dans l'entourage immédiat de ces massacres auprès de la population. Donc Hitler, les Allemands vont tirer les conséquences aussi de cette première phase et se dire voilà, on va maintenant essayer de créer des lieux où le bourreau est le moins possible en contact avec la victime, d'où l'industrialisation des massacres et en même temps les retrancher, ces massacres, du regard de la population générale, d'où l'édification aussi de ces camps d'extermination dans un lieu stratégique qu'est la Pologne. J'aimerais aussi ajouter une chose, c'est que au fond,
Je ne sais pas, on ne peut pas faire de l'Uchronie, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais est-ce que l'armée rouge réellement aurait eu le ressort, aurait eu le temps de s'organiser, de contre-attaquer et de vaincre, s'il n'y avait pas eu, indépendamment du giron de Moscou, ces résistances qui vont s'organiser, et je pense notamment à la résistance biélorusse, qui, notamment au cours de l'année 42, va poser quand même de très sérieux problèmes aux armées allemandes et surtout au moral des soldats de la Wehrmacht. Donc tout ça s'organise loin du giron de Moscou qui va finir par mettre la main et vouloir organiser évidemment ses résistances et notamment la résistance biélorusse, une résistance qui est alimentée par de nombreux juifs qui ont échappé au massacre et qui n'ont pas d'autre issue au fond que de livrer bataille pour leur propre peau, pour leur propre liberté et leur propre survie. Et tout ça au fond va quand même permettre aussi bien sûr à Staline de temporiser, aussi d'obtenir la sympathie de ceux qui vont devenir ses alliés et de s'organiser au mieux pour pouvoir réellement ensuite livrer bataille comme il l'a fait à partir de 1942 contre les armées allemandes. Donc tout ça est très lié, tout ça est inextricablement lié et il est très difficile de savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette très forte résistance contre la Wehrmacht qui sont simplement le fait soit de communistes convaincus, soit de juifs, soit de gens lambda, de paysans aussi, qui n'acceptaient pas ou qui ne supportaient pas à la fois l'invasion des Allemands et en même temps les massacres, les forêts de pendus qu'ils laissaient derrière leur passage. Alors, l'heure tourne, et donc avant de passer la parole à la fois aux spectateurs de Pessac, mais aussi à ceux des autres salles, une dernière question. Alors, dans le prolongement de votre livre Barbarossa, comme je le disais en introduction, vous avez publié les maréchaux de Staline. Et je terminerai de mon côté par une dernière question à la fois à Michael Prasant et à Jean Lopez sur l'entourage finalement de Hitler et de Staline, et notamment du côté de Staline, donc les maréchaux, ces fameux maréchaux, on citait Joukov tout à l'heure. Voilà, comment finalement Staline travaille avec eux? On voit dans le film qu'il y a, il y a effectivement des postures très différentes selon les situations. À certains moments, finalement, Staline s'affranchit totalement des conseils, des observations, des recommandations, et inversement, à d'autres moments, il en tient compte. Comment vous résumeriez ces relations-là et ensuite par rapport à Hitler ? On a vu à deux reprises dans le film un personnage qui s'appelle Boris Chapochnikov, qui n'est pas un personnage connu. C'est un ancien officier du Tsar, c'était un colonel de la vieille armée impériale russe, et il est le principal conseiller stratégique de Staline. Il a été très longtemps chef d'état-major de l'armée rouge. C'est un homme extrêmement calme, extrêmement pondéré, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Le cerveau de l'armée », qui va tenter de réorganiser l'armée rouge et y parvenir en partie, et surtout qui a su repérer parmi les jeunes officiers en 38-39 un certain Vassilievski, qui va devenir son bras droit, qu'il va élever au biberon, et qui, après le retrait de Chapochnikov, qui est très malade, souffre d'un asthme chronique, à partir de 1942, Vassilievski va devenir le nouveau principal conseiller de Staline. C'est aussi un cérébral, c'est un homme à qui le champ de bataille ne réussira jamais vraiment bien, Vassilievski, mais en revanche, c'est véritablement une tête de stratège. Et si Staline s'est en effet affranchi en 1941 à plusieurs reprises des conseils de ces hommes-là, et encore en 1942 d'ailleurs, où il y aura des erreurs qui seront commises, il va petit à petit laisser tomber sa vieille garde héritée de la guerre civile, qui sont Boudjeni, l'homme aux grandes moustaches qu'on voit dans le film, ou Timoshenko, sans parler de Voroshilov, qui est quand même la vieille ganache, qui n'a jamais eu évidemment de talent militaire. C'est un de ses officiers promus uniquement parce qu'il est dans l'entourage de Staline. Il va petit à petit écarter cette première génération pour laisser venir, d'ailleurs, dès 1941 quand même, parce qu'il ne faut pas attendre très longtemps pour que ces nouveaux chefs, qui ont nom Joukov, hein, parce que c'est quand même lui le premier qui émerge du lot, et Vassilievski, puis rejoindront en 1942 deux autres hommes extrêmement importants qui s'appellent Konieff et Rokossovski. Mais ça, c'est dans la suite de l'histoire. Disons que Staline n'a pas manqué d'hommes compétents autour de lui. Il a eu, que ce soit au point de vue économique, au point de vue logistique,
au point de vue militaire, il a eu des hommes de tout premier plan. Il a tendance de plus en plus à leur faire confiance, évidemment, à mesure que la guerre tourne en sa faveur. C'est un phénomène que tout le monde comprendra facilement. De l'autre côté, Hitler peut s'appuyer sur la vieille tradition prusso-allemande. Il a affaire à une armée qu'on peut considérer, du point de vue de ses cadres, comme une des meilleures du monde, en tout cas du point de vue opérationnel. Il a d'excellents généraux qui deviendront maréchaux, comme Manstein, qu'on voit également dans le film, qui est considéré comme le plus grand génie opérationnel de la Seconde Guerre mondiale. Des hommes comme le colonel général Guderian, qu'on voit aussi également dans le film. Donc il a pléthore de généraux autour de lui. Mais ses deux conseillers les plus proches sont Keitel et Jodl, qui ne sont pas des hommes qui sont du format qui leur a été nécessaire. De toute façon, alors là, beaucoup plus que Staline, Hitler n'en fait qu'à sa tête dans ce domaine. Et alors lui, il va suivre la courbe inverse de Staline, c'est-à-dire qu'il va, à mesure que la guerre s'avance et que les défaites se multiplient, il va de moins en moins faire confiance à ses généraux. Surtout lorsque une partie de cet établissement militaire lui posera une bombe le 20 juillet 1944 en essayant d'avoir sa peau. Là, évidemment, c'est là qu'il dit à Goebbels, Goebbels le rapporte dans son journal, j'aurais dû faire comme Staline en 1937-38, c'est-à-dire décapiter la Wehrmacht. Ça, c'est d'ailleurs, beaucoup des citations que vous avez données se trouvent dans le journal de Goebbels. Et c'est vrai qu'à mesure que la guerre avance, les deux hommes se retrouvent de temps en temps devant des actualités soviétiques qui sont passées par la Suisse. Et ils se projettent, par exemple, le film qu'ont fait les soviétiques sur le siège de Leningrad. Et tous les deux sont admiratifs en se disant « Oh, quand même, quel peuple !» Et en parlant de Staline, en effet, quel dirigeant, quel chef. Et la grande déception de ces deux-là sera quand l'armée rouge va déferler sur l'Allemagne en début de 1945. Ils sont tellement habités par cette image de Stalingrad de Leningrad et même de Stalingrad qu'ils s'attendent à ce que la population allemande fasse de même. Ce qui sera évidemment pas toujours le cas. Mais tu parfois voulais... quand même. Oui, alors parce que toute cette conversation est passionnante, mais ce qui est intéressant aussi, à mon avis, l'erreur fondamentale quand même dans les purges de 1937-1938 de Staline, c'est, et à ce moment-là, je pense que, d'une certaine manière, Hitler est plus intelligent, parce que Hitler, dès qu'il prend le pouvoir, veut récupérer l'armée prussienne, qui lui est extrêmement défiante. Donc, il va tout faire pour récupérer cette force-là et cette expérience-là. Alors que Staline... qui est devenu extrêmement paranoïaque, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout le cas de Trotsky, qui va créer l'armée rouge et qui va très vite comprendre qu'on ne peut pas se passer en fait, des officiers tsaristes. Et je rappelle que Tukhachevski était un officier tsariste, comme les plus grands officiers, au fond, qui vont mener la guerre et la guerre civile des années 1917-1920. Et Trotsky comprendra très vite qu'on ne peut pas se passer d'eux. Or, Staline a toujours pensé, depuis même ce moment-là, depuis le moment où Trotsky décide de réintégrer les chefs d'armée tsaristes, il trouve devant lui l'opposition systématique de Staline. Staline n'a qu'une envie, c'est de liquider les anciens généraux de l'armée tsariste. Et au fond, il ne va jamais quitter cette idée-là. Et lorsqu'il met en œuvre ses grandes purges contre les militaires, eh bien, il garde encore cet état d'esprit en tête. Alors évidemment, la chance qu'il a eue, c'est de tomber devant cette nouvelle génération qui sont des gens qui ont moins de 40 ans. Mais l'avenir n'était pas écrit. Il n'était pas sûr qu'il y ait dans ce nouveau vivier des Joukov et des Koniev, qui étaient en réalité des gens extrêmement inexpérimentés, qui se sont révélés des gens très fins en termes d'analyse et de stratégie militaire, mais ça n'était pas écrit, et c'est un risque en réalité faramineux. Et je pense qu'au début de Barbarossa, Hitler a cet avantage-là, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur des généraux confirmés, qui sont certes pas nécessairement de la prime jeunesse, mais qu'il a réussi à récupérer de l'époque antécédente à sa prise de pouvoir. Alors, on commence par les premières questions du public. Alors, un SMS que je viens de recevoir. Le film évoque la bataille des architectures.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, on a effectivement une séquence sur la mégalomanie architecturale des deux dictateurs. Oui, alors évidemment, dans cette séquence, il y a presque, comment dire, vous savez, la séquence du dictateur de Chaplin. Alors, ce n'est pas face à Staline, c'est face à un sosie de Mussolini, où chacun essaye de monter sa chaise le plus haut possible pour dominer l'autre. Donc, il y a ce côté, cette rivalité viriliste et égomaniaque entre les deux hommes. Vous savez, voilà, il y a cette phrase très célèbre, hein, que la guerre est la poursuite par d'autres moyens de la diplomatie. L'architecture est la poursuite du pouvoir par d'autres moyens. Et c'est une affirmation, disons, gravée évidemment dans le marbre, mais gravée aussi dans la géographie. Il y a une obsession géographique chez ces deux hommes-là. Et la volonté aussi de marquer, au sens quasiment du tatouage, du marquage, de marquer ces territoires de leur empreinte. Après tout, c'est sans doute le propre de tous les hommes d'État, quels qu'ils soient, dictateurs ou pas. Ça a été aussi le cas de Mitterrand et de bien d'autres bâtisseurs dans l'histoire. Oui. Mais il y a vraiment cette volonté d'affirmer leur grandeur. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, les références des deux hommes sont assez similaires. Ce sont tous les deux des fans de western. Ce sont pour des raisons d'ailleurs différentes, mais ils ont au fond quelque part la même culture. Et ce qui fascine Staline, contrairement à ce qu'on pense, c'est New York, c'est les gratte-ciel, c'est la domination par l'élévation, par la taille et la domination du ciel. Et ces villes-là, ces villes nouvelles, modernes, américaines, le font rêver. Et donc d'ailleurs, il va mettre en chantier la construction de 7 gratte-ciel dans sa capitale, qui eux existent encore, mais tous ces grands projets, également ceux d'Hitler, certains verront le jour, mais ont été évidemment détruits ensuite. Oui, là on voit des maquettes assez étonnantes. Oui. Voilà. Et on voit bien chez ces deux hommes, au fond, des références similaires. Ils aiment tous les deux l'architecture très classique. Ils ont des références vraiment de la Rome antique. Enfin, ils ne voient que la pierre et le marbre. Et donc, il y a comme ça une similitude, en tout cas, des accointances esthétiques entre les deux hommes, avec évidemment chacun tout de même le contexte et les références qui sont les leurs. Alors, il y a une question sur les restes, entre guillemets, d'Hitler. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus? Ce dont vous parlez à la fin du film. Oui, alors ça a occupé énormément ces dernières années de médecins légistes, d'historiens, d'écrivains qui ont beaucoup documenté cette question à travers des livres, à travers des films aussi documentaires et même à travers une BD d'ailleurs. On sait parfaitement où se trouvent ces quelques maigres reliques, un bout de crâne, un bout de mâchoire, entreposés toujours à Moscou dans les archives soviétiques. Et d'ailleurs, ils sont placés de manière, comment dire, c'est étonnant. Ils sont conservés dans une boîte à disquettes, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais anoblir au fond ces quelques vestiges, oui. Mais ils sont conservés soigneusement à Moscou. Alors, est-ce qu'il y a une question à Pessac? Oui, j'arrive avec le micro. Ah, il y a un micro qui est. Bonsoir et merci, c'était passionnant. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez peut-être cassé, une idée fausse que j'ai sur Barbarossa, c'est la date du déclenchement. On m'avait appris que le déclenchement avait pris du retard à cause de Mussolini et de l'invasion qui tendait à être ratée de la Yougoslavie et de la Grèce, et qu'Hitler devait aller à son secours, en quelque sorte, que ça avait retardé d'autant le déclenchement de Barbarossa, et donc empêtré ensuite l'armée allemande dans l'hiver, quelques mois après. Est-ce que c'est faux ? Je pense qu'on peut aussi remiser ça au magasin des antiquités, parce que la directive Barbarossa dit que la Wehrmacht devrait être en mesure d'attaquer à partir du 15 mai. Effectivement, l'agression de la Grèce par Mussolini et la nécessité, où est Hitler, de sécuriser ce flanc balkanique en écrasant la Yougoslavie et la Grèce au mois d'avril et au début du mois de mai 1941, va jeter un peu de désordre dans le trafic ferroviaire allemand et contraindre à repousser la date de l'invasion. Mais de toute façon, là, on a aussi des rapports, notamment des lettres de Guderian, qui montrent que
Ça n'aurait pas été possible, même sans cela, d'attaquer, d'une part parce que le ravitaillement n'est pas... Enfin, tout n'est pas arrivé. Hein. Le mouvement est tellement gigantesque. Hein. C'est 600 000 véhicules, c'est 700 000 chevaux, 3 200 000 hommes. Il y a des millions de tonnes de ravitaillement. Il y a du retard qui a été pris sur l'horaire, notamment pendant l'hiver. Et puis surtout, la couverture des Jeux a été extrêmement importante pendant cet hiver-là, ce qui fait qu'au moment du dégel, tous les fleuves que la Wehrmacht doit passer, notamment le Bug, les fleuves frontières, sont tous sortis de leur lit et que les terrains sont très peu praticables. Dans le meilleur des cas, l'attaque aurait pu, d'après mes calculs, se dérouler aux alentours du 10 juin, c'est-à-dire 11 jours ou 12 jours avant la date historique. Mais tout ça, si vous voulez, c'est un raisonnement qui est quand même un peu truqué, puisque ça suppose de toute façon que les Allemands ont été battus par le froid devant Moscou. Or, je répète, les Allemands n'ont pas été battus par le froid devant Moscou. Leur armée tombait littéralement en morceaux. Ils relancent leur machine le 15 novembre et ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus capables d'attaquer. Ils n'avancent plus sur aucun front. C'est vraiment une armée qui n'en peut plus. Le rythme de la Hitler, enfin les généraux d'Hitler, parce que ce n'est pas lui qui gère la campagne, ce sont ses généraux, ont littéralement démoli la machine en lui imposant un rythme qu'on n'a encore jamais vu dans l'histoire militaire. Et curieusement, on s'était fait communiquer par la météo russe les relevés dans les différentes villes pour écrire notre bouquin, les relevés météo des mois de novembre et de décembre 1941. Le grand froid ne commence que le 5 décembre 1941, c'est-à-dire un moment où l'armée allemande a déjà arrêté parce qu'elle est complètement par terre. Et c'est au contraire le moment où Joukov lance la contre-offensive. Et c'est donc, paradoxalement, c'est donc l'armée rouge qui a été le plus pénalisée par le froid lui-même, mais par les gigantesques abats de neige qui ont littéralement fait disparaître le paysage sous la neige. Donc là aussi, ce sont des facteurs qui ont été mis en avant par les Allemands eux-mêmes pour expliquer leur défaite, mais qu'il faut vraiment soumettre à une analyse critique très serrée, comme à peu près tout ce qui s'est dit par les deux camps à cette époque-là. Alors, une oui. autre... Oui, j'avais le même style de question. Ça sera la dernière question. Allez-y. Par rapport au fait qu'on nous avait dit que, suite à Munich, comme Staline était vexé de ne pas avoir été invité à Munich, il n'avait pas d'autre issue que de faire le pacte d'Union soviétique. De pacte... Germano-soviétique. Germano-soviétique. Donc voilà. Alors, il est vrai que c'est dit dans le film qu'il est vexé. Staline a vécu très mal le fait qu'on décide du sort de la Tchécoslovaquie, qui avait de bons rapports avec Moscou, sans lui demander son avis. Sans la personne n'a jamais pensé à l'inviter, pas plus Daladier que Chamberlain, encore moins Mussolini et Hitler. Il a pris conscience à ce moment-là de l'isolement catastrophique dans lequel se trouvait son pays. Le pays se trouve totalement désorganisé, notamment la diplomatie soviétique. Hein. La plupart des ambassades n'ont pas d'ambassadeurs pourvus. Ils ont tous été victimes des purges, parce qu'il n'y a pas que l'armée rouge qui a été purgée en 37-38. C'est l'ensemble de l'appareil d'État. Et donc, dans le monde entier, à cette époque-là, on considère que l'Union soviétique est devenue un facteur politique secondaire. C'est la raison pour laquelle on a cru se passer d'eux pour la conférence de Munich. Mais encore une fois, vraiment, c'est là que Staline se rend compte qu'il y a péril. Hein, l'Union soviétique est seule au monde. Ça s'est très, très clairement vu à ce moment-là. Et le fameux discours du 10 mars 1939 est encore dans la résonance de Munich lorsqu'il dit « Nous, soviétiques, on ne veut tirer les marrons du feu pour personne ». Autrement dit, on ira du côté le plus offrant. Il y a là une part de cynisme que je vous laisse apprécier. Merci beaucoup à nos deux invités. Un grand merci.